Hello, bonjour. Aujourd'hui, je vais parler de la duchesse Meghan Markle. On a une superbe nouvelle, en tout cas pour les fans de Meghan. Donc, si vous vous le souvenez, il y a quelques mois de cela, je parlais de ce que Meghan Markle pouvait faire pour éventuellement être indépendante financièrement. Donc, on avait parlé de plusieurs projets, on avait parlé d'écriture, on avait parlé de livres, on avait parlé de livres de cuisine. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, il y a une grande nouvelle. Ça a été annoncé sur le site de Meghan Markle, le prince Harry, le site Archwell. On vient d'apprendre que la duchesse de Sussex va sortir un livre pour enfants. Alors là, quand j'ai appris cette nouvelle, j'étais aux anges, j'étais au paradis, j'étais heureuse pour notre princesse et je me suis dit c'est merveilleux, c'est incroyable. Donc je voulais vous apporter cette nouvelle. Au lieu de commenter, je vais vous lire ce qui a été écrit sur le site Archwell de Meghan Markle. Ça sera une traduction assez rapide parce que je voulais que vous ayez l'information. Voici ce que ça dit. Meghan, la duchesse de Sussex, est l'auteur de son premier livre pour enfants, The Bunch, qui sortira le 8 juin. C'est un livre sur le lien spécial entre un père et son fils, vu à travers les yeux d'une mère, inspiré par son propre mari et son fils. Les débuts de la duchesse de Sussex capturent de manière touchante la relation évolutive et croissante entre père et fils et nous rappellent les nombreuses façons dont l'amour peut prendre forme et s'exprimer dans une famille moderne. Évoquant un profond sentiment de chaleur, de connexion et de compassion, The Bunch offre au lecteur une fenêtre sur des moments partagés et durables entre un groupe diversifié de pères et de fils, des moments de paix et de réflexion, de confiance et de croyance, de découverte et d'apprentissage, et de confort durable. Associé au mot de la duchesse, l'illustrateur Christian Robinson développe son style de signature, travaillant pour les premières fois à l'aquarelle, pour apporter de la joie et de la douceur aux pages, reflétant la beauté de l'amour d'un père à travers les yeux d'une mère. Le banc a commencé comme un poème que j'ai écrit pour mon mari le jour de la fête des pères, le mois après la naissance d'Archie, a déclaré la duchesse dans un communiqué. Ce poème est devenu une histoire. Christian a superposé de belles et éthérées illustrations à l'aquarelle qui capture la chaleur, la joie et le confort de la relation entre père et fils de tout horizon. Cette représentation était particulièrement importante pour moi et Christian et moi avons travaillé en étroite collaboration pour décrire ce lien spécial à travers une lentille inclusive. J'espère que The Bunch résonne avec toutes les familles, quelles que soient leurs racines, autant que la mienne. Le banc sera publié par Random House Children's Book aux États-Unis. Le titre sera publié simultanément par Tundra Books, une compagnie Penguin Random House au Canada, en Angleterre, en Irlande, en Australie et en Nouvelle-Zélande, en Inde et en Afrique du Sud. Voilà, c'est le message qui a été mis en fait sur le site de Archwell, de Meghan Markle et le prince Harry. C'est un projet qui me semble magnifique, je suis prête à l'acheter. Le bunch en fait en français ça veut dire le banc, donc j'attends avec impatience de pouvoir l'acheter, d'autant plus que ça sera sûrement un collector. Ceux qui me demandaient comment faire pour aider Meghan Markle et le prince Harry, vous avez l'occasion de pouvoir le faire le 8 juin prochain en achetant ce livre. Je suis sûre que d'ailleurs une partie des fonds sera reversée aux associations que parrainent le prince Harry et Meghan Markle. Je m'avance peut-être, mais il me semble que ça sera le cas. Voilà, donc je souhaitais dire ça. À vos porte-monnaies, s'il vous plaît. Si vous pouvez offrir à des frères, des cousins, n'hésitez pas. J'espère que le prix sera abordable. 8 juin, marquez-le dans votre calendrier. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.